Coucou tout le monde, donc je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. Oui, alors depuis ma dernière vidéo, donc ma grossesse est terminée, j'ai donc accouché et je reviens aujourd'hui, je voudrais vous parler de vêtements d'allaitement. J'aurais souhaité faire cette vidéo toute seule, malheureusement je n'arrive pas à poser mon bébé, enfin je n'arrive pas, il aime bien être dans les bras, donc je vais le garder avec moi en écharpe. Vous l'entendrez sûrement parce qu'il aime bien parler, il aime bien communiquer, donc voilà, si ça vous dérange, je suis désolée. Je vais pas non plus parler super fort parce que j'ai pas envie trop que ça le dérange, mais voilà, on va faire avec. Donc j'allaite maintenant depuis 4 mois et donc je voulais vous parler de vêtements d'allaitement comme je vous ai parlé de vêtements de grossesse, parce que tout simplement donc quand j'étais enceinte, je vous avais fait des vidéos là-dessus où je vous présentais, j'avais fait un haul je crois de vêtements de grossesse, et la plupart, alors oui je secoue un peu, c'est pour le bercer pour qu'il soit un peu calme. La plupart des, presque tous les vêtements de grossesse, en tout cas au niveau des hauts que j'avais achetés, fonctionnaient pour l'allaitement. C'était vraiment ça que je m'étais dit, je voulais pas juste acheter un t-shirt qui allait me servir peut-être 6 mois, je voulais qu'il me serve beaucoup plus longtemps, sachant que je sais que je vais faire un allaitement assez long, donc voilà, je sais qu'il va me servir assez longtemps. Donc voilà, je continue en fait de mettre mes vêtements de grossesse, et je reçois beaucoup de questions à propos des vêtements d'allaitement, donc je vais essayer d'y répondre ici. Donc après 4 mois, je peux quand même faire un retour et tout ça, surtout je suis passée par toutes les saisons, puisque mon loulou est né en pleine canicule, et que là maintenant on arrive en plein hiver où il fait froid, donc voilà, je vois un petit peu comment l'allaitement peut se faire. Alors est-ce qu'on a besoin de vêtements d'allaitement pour allaiter? Absolument pas. On peut très bien faire sans avoir rien à acheter, mais les vêtements d'allaitement facilitent par plusieurs manières, et je vais essayer de vous présenter un petit peu tout ça. Et ensuite je vais vous montrer, là j'ai étendu sur mon lit différents vêtements d'allaitement, différentes sortes en fait de techniques que les marques utilisent pour pouvoir allaiter. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce qui existe pour que, voilà, moi j'ai un peu découvert ça comme ça sur le tard, et là ça peut peut-être vous aider. Donc pourquoi moi je favorise les vêtements d'allaitement? C'est vrai que encore cet été ça allait, mais vraiment là c'est assez rare que je porte des vêtements qui ne sont pas d'allaitement. Parce que il faut se dire, donc je mets un vêtement qui n'est pas d'allaitement, par exemple je vais mettre un t-shirt et donc je le relève pour pouvoir donner le sein à mon bébé. Quand vous le relevez, vous retrouvez le ventre à l'air. Donc en plein été ça peut ne pas être gênant, mettre un débardeur d'allaitement en dessous quand il a fait 40 degrés c'était pas possible, ou vous pouvez aussi baisser le haut, mais c'est pareil, quand vous mettez une chemise ou un débardeur vous baissez le haut, vous vous retrouvez le haut de la poitrine à l'air. Donc si vous êtes chez vous et tout, il n'y a pas de souci. Moi je sais que cet été c'était t-shirt, je relevais, débardeur je baissais, j'en avais vraiment rien à faire. Sauf que moi je trouve que quand on veut allaiter en public, si on est un peu pudique, c'est un peu compliqué, surtout au début, de tout d'un coup sortir sa poitrine alors qu'on est entouré de centaines de personnes, les vêtements d'allaitement c'est vraiment génial de pouvoir, enfin ça vous permet vraiment de garder votre intimité, parce que vous avez juste à ouvrir juste la partie qui concerne le petit bébé, le téton, le mamelon, et pas tout le reste. Vous ne retrouvez pas le ventre à l'air, vous ne retrouvez pas la poitrine à l'air, c'est vraiment très très bien fait et c'est pas du tout compliqué, c'est très très bien pensé. Vraiment tous les vêtements que j'ai eu aucune galère avec les vêtements. Autre chose que j'aime pas trop dans le fait de relever en fait le t-shirt, c'est que là par exemple on est en hiver et si je dois relever et le t-shirt et le pull, je me retrouve avec un énorme bourrelet ici qui ne tient pas forcément et qui vient un petit peu sur le visage de mon loulou, et ça j'aime pas trop. J'aime bien pouvoir le voir quand il tète, j'aime bien pouvoir voir son visage parce qu'en plus il y a un échange souvent de regards quand il s'endort pas, et j'aime bien voir s'il a pas lâché, si voilà comment ça se passe, si son nez est bien aéré, et le fait d'avoir ce gros bourrelet peut parfois être gênant. Autre chose, si vous êtes à un repas, enfin vous avez mis un joli et tout ça, et que vous le remontez, quand vous le redescendez, il est complètement froissé. Moi ça m'est arrivé plein de fois, même avec un t-shirt blanc basique, voilà, vous vous retrouvez toute la journée avec un t-shirt froissé. Ça peut évidemment pas être grave du tout, mais c'est vrai quand on est au restaurant et qu'on a mis un petit haut et tout et qu'il est complètement froissé, voilà, moi c'est clairement les vêtements froissés, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc vous avez, comme pour les vêtements de grossesse, absolument tous les prix. Voilà, toutes les marques de la plus chère à la moins chère en font. Au niveau rentabilité, on va dire, parce que, enfin... Je sais que j'ai eu cette question, c'est mais est-ce que les vêtements de grossesse, on peut les porter après la grossesse? Il n'y a aucun souci, parce que la plupart des vêtements de grossesse ne sont pas faits avec des trucs genre pour le maxi-ventre, le maxi-ventre rentre dedans et quand on n'aimait plus, c'est complètement ballonnant. Non, la plupart des vêtements, par exemple, vous allez avoir un tissu très très stretch, en fait, qui va s'étirer avec le ventre, et quand vous n'avez plus le ventre,
et ben il se remet tout simplement et on dirait un t-shirt normal. Alors évidemment on n'est pas sur un t-shirt moulant, mais ça ne choque pas du tout, sachant que après avoir accouché, vous n'avez pas un ventre qui redevient complètement plat. Autre chose, s'ils ne sont pas stretch, parce que j'ai des vêtements qui ne sont pas du tout stretch, c'est juste qu'ils étaient, vous voyez, un peu comme les robes patineuses, les hauts patineux, c'est juste qu'ils étaient resserrés sous la poitrine et un petit peu évasés sur le bas. C'est des hauts que je portais déjà avant cette forme-là, j'aime beaucoup quand c'est resserré à la poitrine, ça amincit un petit peu le haut et puis comme ça, c'est un peu évasé, ça cache le bas, mais c'est juste un petit peu plus long pour que le ventre ne dépasse pas. Mais ça convient parfaitement à l'allaitement et ça ne fait pas un truc immense et énorme. Je sais que j'ai vraiment déjà regardé, mais presque tous les vêtements que j'ai eu pour la grossesse et l'allaitement, je les mettrai après sans problème parce que c'est des vêtements que j'aime bien. Alors évidemment on verra dans quel état ils sont, je ne sais pas Loulou s'il va les détruire ou pas, mais je sais que puisque je les ai portés pendant la grossesse sans allaiter et puisque je les porte maintenant en allaitant mais sans être enceinte, je vois pas pourquoi je les porterai pas encore après. Alors je vous ferai une vidéo bientôt sur, j'espère bientôt vous faire une vidéo un petit peu sur l'allaitement en public, parce que c'est pareil sur Instagram, je reçois beaucoup de questions là-dessus et je sais que moi les vêtements d'allaitement me servent énormément parce que j'allaite beaucoup en public, je sors presque tous les jours, je vais m'alader dehors, je vais très régulièrement au restaurant avec des amis, j'ai des gens qui viennent à la maison, je sais que je fais beaucoup d'allaitement en public et je suis assez, je sais pas si je suis très pudique mais voilà, c'est pas, je suis pas une exhibitionniste, enfin montrer le haut de ma poitrine et tout, c'est quelque chose qui me gêne. Voilà, ouvrir, je l'ai fait une fois en fait, j'avais mis une robe chemise au restaurant. Je m'étais dit c'est bon, elle est très jolie, j'ouvre. Et en fait je me suis retrouvée vraiment comme si j'avais la poitrine à l'air. Il y a des femmes que ça va pas du tout déranger, je ne juge pas du tout. Mais moi je me suis dit mince, je vais une connerie. Donc là dans ce cas là j'ai mis un linge, vous savez on peut mettre un linge sur le bébé. Il faisait 45 degrés, mon bébé est une bouillotte, il est comme moi en fait, il a tout le temps très chaud et on était mort de chaud en fait, on n'en pouvait plus sous ce linge, donc à la fin j'ai enlevé le linge, bon j'étais au restaurant, il y avait des amis que je ne connaissais pas vraiment encore. J'ai fait avec, mais c'est vrai que c'était pas super agréable comme allaitement, pas comme voilà quand je sors juste ce qu'il faut et que ça reste vraiment dans l'intimité et qu'on ne voit rien du tout. Donc je sais que j'ai reçu aussi des messages de personnes qui me disaient moi je mets juste un t-shirt et un débardeur d'allaitement en dessous et ça suffit. Alors vous pouvez très bien faire ça aussi, ça peut être très pratique, moi c'est pas ce que j'ai voulu faire. Il se trouve qu'en plus j'ai pas beaucoup de vêtements qui conviennent à l'allaitement, j'ai beaucoup de hauts assez cintrés, alors pas complètement moulants mais assez cintrés et qui ne se soulèvent pas forcément très bien en fait. J'ai déjà essayé vraiment au début, j'ai essayé tous mes vêtements parce que je voulais pas encore acheter des vêtements d'allaitement et j'ai vraiment eu beaucoup de mal. C'est pareil à avoir, je m'étais dit oh je mets un débardeur puis je baisse la bretelle, et bah c'est pas si simple que ça de baisser une bretelle comme ça, de passer le bras et de faire ça discrètement devant tout le monde. Donc voilà, et puis aussi j'ai pris de la poitrine, alors j'ai pas pris énormément de poitrine mais j'ai pris bien assez de poitrine pour qu'une grosse partie de ma garde-robe ne m'aille plus du tout. Donc voilà, je vais passer, je vais vous montrer un petit peu les vêtements que j'ai, donc j'en ai un petit peu plus que ça mais j'ai sorti un petit peu toutes les sortes de vêtements qui existent par rapport aux marques. Alors il y a des vêtements que j'ai reçus gratuitement, il y a des vêtements que j'ai achetés, je vais pas faire de différence parce que par exemple je vais vous dire la marque Envie de Fraise m'a envoyé des vêtements mais j'en ai également acheté chez eux, donc ça revient exactement au même, c'est pas du tout des partenariats rémunérés et tout ça, c'est totalement objectif et vous allez voir il y a des vêtements on voit très bien que je les ai portés. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous voyez de temps en temps quand on voit ma tête en story ou en photo que je porte régulièrement des vêtements d'allaitement, et d'ailleurs ça se voit pas forcément hein, que c'est des vêtements d'allaitement. Ah oui, dernière chose hyper importante que moi j'ai trouvé avec les vêtements d'allaitement, donc là je vous en ai pas montré mais je vous expliquerai, c'est qu'on peut porter des robes sans problème. Moi c'est un truc, en été je ne porte presque que des robes et en hiver j'aime bien sortir au resto et mettre une robe, enfin voilà c'est un truc que j'aime bien, et sans vêtements d'allaitement, donc à part voilà une robe chemise qui s'ouvrirait mais encore une fois ça peut être un peu compliqué. Bah et puis des robes chemises j'en ai une quoi en fait, c'est pas, moi j'ai plutôt des robes patineuses vous voyez bien fermées là et c'est clairement pas possible. Et là j'ai 3-4 robes d'allaitement qui étaient des robes de grossesse à la base, voilà, et qui sont parfaites et que je sais que je mettrai après la grossesse, après l'allaitement et tout ça. Mais voilà, gros point positif avec les vêtements d'allaitement, on peut porter des robes. Alors premier vêtement que je vais vous montrer, alors ils sont tous propres mais ils sortent de la machine donc ils sont pas repassés et clairement j'ai pas le temps de les repasser là hein. Voilà,
c'est un petit haut. Donc, vous voyez, comme je vous disais, donc il m'a servi pour la grossesse. Vous l'avez beaucoup vu quand je le portais pour ma grossesse sur Instagram. Donc, il resserre la poitrine, qui est évasée, mais qui ne choque pas particulièrement. Avec un très joli tissu, voilà, un petit peu tissé comme ça. Et qui sert pour l'allaitement parce que vous voyez, c'est raffine, c'est vraiment leur truc. C'est que là, au niveau de la poitrine, donc quand c'est repassé, ça ne se voit absolument pas. Il y a des fermetures éclair. Je suis désolée si vous entendez Loulou. Il y a des fermetures éclair en fait pour pouvoir voilà, laisser la poitrine. Donc elle se zippe et elle se dézippe vraiment très facilement. On n'est pas sur quelque chose de dur. Alors de temps en temps il peut y avoir le tissu qui s'accroche un peu, mais ça m'est très rarement arrivé. Et ça c'est un haut que j'ai déjà porté je sais pas combien de fois. Pendant la grossesse il était génial parce que voilà, quand il a fait très chaud c'était agréable, c'est un tissu assez léger. Et là je continue à le porter pour l'allaitement. Voilà, le petit zip. Oui, Loulou. Le petit zip, c'est vraiment très pratique. Donc, j'ai 2-3 hauts, je crois, de chez eux. Et j'ai une robe très très jolie, une robe blanche qui était en dentelle anglaise. Voilà, avec ce système de zip. Ensuite, on a un haut H&M. Alors, celui-là, c'est vraiment le haut confort. on est vraiment sur une blouse. Bon, on n'est pas sur le truc le plus cintré et tout, mais elle est sympa, le tissu est vraiment sympa. Je sais pas si j'arriverai à tout vous retrouver au niveau des vêtements, hein. J'essaierai, mais je sais pas, mais en tout cas, c'est des trucs qui refont à chaque fois, c'est un peu des basiques. Donc on est sur une blouse qui en fait a, vous voyez, une espèce de doublure, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allaitez, hop, vous soulevez cette partie-là, et vous voyez là, c'est ouvert. Ouais, quand je vous disais qu'il parlait, il parle, enfin il est très très bavard. Oui, tu me laisses parler. Donc il est ouvert, vous voyez ici. Donc vous n'avez pas le ventre à l'air puisqu'il y a la doublure de ce tissu. Donc je disais, le seul inconvénient c'est qu'on se retrouve avec une masse de tissu. Le truc que j'aime pas trop, voilà, mais bon. Là-dessus c'est pas très grave, c'est vrai que c'est un haut que j'aime bien. Quand soit j'ai envie d'être confort chez moi ou voilà, cet été j'ai beaucoup aimé le porter avec un petit short. Et je continue encore à porter en hiver. Voilà, je suis quelqu'un qui est très chaud, donc c'est vrai que mes vêtements d'hiver et d'été sont souvent un peu les mêmes. Mais voilà, elle est vraiment hyper confort. Elle est un petit peu longue, mais pas non plus super longue. Et je la trouve très jolie. Ensuite, toujours les H&M. Donc ça c'est les basiques. Souvent ils les vendent par lot. Je crois que voilà, c'était un lot de deux. On est sur un tissu jersey vraiment basique. Encore une fois, il est un petit peu long, mais c'est pas trop long, c'est juste que ça couvre le ventre en fait. Et là, on a une ouverture, vous voyez, en V. Sauf que, donc, on descend en V comme avec un t-shirt en V. Sauf qu'au lieu d'avoir le sein à l'air, on a une bande par-dessus. Et vous voyez, c'est ouvert ici. Donc, en gros, on a le sein qui est bien ouvert. Et en haut, on a quelque chose qui est sur la poitrine. Donc voilà, ça, ce sont vraiment les basiques H&M. Vous avez plein d'imprimés différents, vous avez plein de lots. Ils sont pas très très chers. Les tissus sont vraiment très doux. Et c'est plutôt de bonne qualité. Parce qu'encore une fois je le mets très très souvent, je le lave très très souvent et vous voyez il se tient encore très bien, bon même s'il est complètement froissé. Là on a chez Verbaudet, ils ont pas mal de vêtements aussi, que ce soit de grossesse, d'allaitement et tout ça. Et j'avais trouvé ce petit haut qui est un peu différent des autres que j'avais trouvé. Donc vous voyez là, des espèces de petites tours Eiffel dorées. Alors évidemment ça c'est pas le genre de vêtement que j'aurais acheté si j'allaitais pas et tout ça. Il est joli mais il est vraiment voilà, très basique pour moi, c'est pas, je le kiffe pas à mort, mais il est très très confort. Donc on est sur une blouse qui tout simplement s'ouvre. Et en dessous, il y a comme un débardeur déjà intégré. Alors, vous avez une petite attache, vous voyez ici, comme sur les soutiens-gorge d'allaitement. Mais moi, je trouve pas, il y a juste besoin de le baisser, il n'y a pas besoin de détacher ce truc en plus. Mais voilà, en gros, on est sur une petite blouse qui a son débardeur intégré. Et comme le tissu est assez... je vais y arriver. Comme le tissu est assez fluide, ça fait pas plein d'épaisseur. Hein, on remarque pas du tout qu'il y a un petit débardeur en dessous. Voilà. Ensuite, mon maxi gros coup de cœur, c'est celui-ci, bon, il est vraiment pas beau parce que là il n'est pas repassé, c'est une petite marque française, ça s'appelle Tajine Banane, et elle fait des petits hauts, alors elle a que quelques modèles, hein. C'est pas la grosse industrie comme H&M, avec des super petits genoux, donc là c'est pas la mer à boire, n'est-ce pas, je pense que vous aurez compris. Donc on est sur un coton hyper qualitatif, on est sur un vrai coton blanc qui n'est pas du tout transparent, et en fait c'est la première fois que j'arrive enfin à trouver un t-shirt blanc, un beau t-shirt blanc vraiment bien, et il se trouve qu'en plus il est d'allaitement, donc c'est génial. Et là le système il est vraiment caché. Donc là, vous voyez, il est fermé, on ne le voit pas, mais là je l'ai ouvert, et vous voyez ce sont des petits boutons pression qui s'ouvrent
très facilement et se referme très facilement et reste bien fermé parce que des fois les boutons pression peuvent être difficiles à fermer. Donc là on est tranquille, hop, bébé a besoin d'arrêter, on ouvre le nombre de pressions qu'on veut, donc moi c'est des fois 2, des fois 3, il me semble qu'on en a là encore, mais voilà, il n'y a pas besoin d'ouvrir non plus très très grand. On fait juste comme ça, bébé vient devant et vous voyez, on voit rien du tout, c'est vraiment génial, moi je kiffe ce système et ces t-shirts ils sont vraiment très très jolis, voilà. Les deux derniers que je vais vous présenter c'est donc la marque Envie de Fraise, c'est aussi une marque que j'aime beaucoup, où j'ai beaucoup acheté pour ma grossesse, donc ça c'est un haut, je pense que vous, d'ailleurs vous aviez dû me voir en vidéo avec, ça reste vraiment un de mes basiques que j'aime beaucoup mettre, je l'ai beaucoup mis pendant la grossesse parce qu'on est vraiment sur un tissu qui est stretch, très très agréable avec un joli imprimé. C'est vrai que des fois c'est dur de trouver des imprimés un peu sympas, souvent c'est uni ou enfin c'est un peu morbide pour les vêtements de grossesse, mais celui-là j'aime beaucoup. Donc on voit peut-être pas, mais on est sur un col en V, un joli décolleté, donc comme on prend de la poitrine un petit peu, on peut en profiter. Moi c'est vrai qu'avant je portais pas du tout de décolleté, maintenant j'en profite. Donc là cette fois-ci, je sais pas si vous arriverez à voir, on a deux bandeaux donc qui se croisent, où il y a la poitrine, et là en fait, donc ça ne se voit pas quand on le porte, mais le bandeau, au lieu en fait de par exemple tirer là pour pouvoir donner le sein et encore une fois voir la poitrine à l'air, tout simplement il se soulève par en dessous, et donc voilà, le nichon est ici. Et pareil de l'autre côté, je suis désolée, j'ai un téléphone, j'ai un bébé en écharpe, c'est un peu galère. Pareil de l'autre côté, voilà. Et là, l'ouverture se fait pas du tout. Hein. Quand on le porte normalement, pour savoir qu'il y a une ouverture ici, il faut vraiment le savoir. Mais voilà, c'est extrêmement pratique. Et alors, ce système-là, ils le font aussi pour les robes et tout ça. Et là, on a encore donc un autre système, toujours un haut Envie de Fraise. Je l'aime beaucoup. Celui-là, il fait assez habillé. J'aime vraiment bien. Le tissu est un peu épais, il se tient bien et tout. Donc là on a un joli nœud, pour la grossesse c'était très joli de mettre un petit nœud au dessus, ça permet de bien cintrer, et là encore une fois on ne le sait pas, mais voilà c'est ouvert en dessous, et là on tire et on a un petit sein qui sort, ou un gros sein, ça dépend de l'heure de la journée. Alors ça des fois ça peut être un peu compliqué parce que vous voyez ça peut un petit peu tirer. Voilà, ça c'est des hauts que j'aime bien mettre quand je vais par exemple au restaurant ou des trucs comme ça. Voilà. Je vais pas le mettre par exemple celui-là pour rester chez moi parce que je préfère mettre quelque chose de beaucoup plus simple pour l'allaitement. Même si ça c'est pas du tout compliqué, hein, mais voilà. Et j'ai aussi des robes avec ce système-là, voilà. Ce que je vous disais, c'est qu'on peut porter des robes. Et donc c'était un vêtement de grossesse. Mais vous voyez, ça fait ni grossesse ni allaitement. Ça fait bien, on peut le garder après et ne pas l'acheter que pour une période éphémère. Donc voilà pour cette vidéo. Alors j'ai essayé de parler vite parce que mon loulou, il en a un petit peu marre. Et que je voudrais pas que cette vidéo dure des heures. Donc je suis désolée, je reviens un petit peu comme ça. Je vous ai rien raconté et tout de ma fin de grossesse et tout. Je parle quand même pas mal sur Instagram. Si jamais voilà, ça vous intéresse, allez me voir sur Instagram. C'est le même nom que YouTube, Justine Porcelaine. Sinon j'ai vraiment beaucoup d'idées de vidéos que j'aimerais vous faire, donc sur justement l'allaitement en public, sur beaucoup de choses que je suis en train de vivre et que j'aimerais bien vous partager. Donc voilà, dès que je trouverai du temps je vous tournerai ces vidéos. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve j'espère bientôt. Bye bye.